Bon bah salut les amis. J'ai l'impression d'être derrière le comptoir d'un bar là. Je vous sers quoi? Eh ben je vous sers aujourd'hui un pédalier. Un pédalier que je suis en train de faire pour Camille Rustam. Et il m'a autorisé à le citer, donc je ne me gêne pas. Il m'a tout amené, c'est pas compliqué, j'ai tout. Tout ce qu'il faut, l'accastillage, tout. Alors, il manque quelques petites choses, mais vraiment rien du tout. J'ai aussi une feuille de câblage. Quelque part, je peux pas vraiment me tromper. Hein. Je vais vous expliquer. Alors, tout est vraiment bien organisé. Hein. Avec Camille, c'est toujours comme ça. C'est un pro, quoi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et c'est très agréable à travailler. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Donc, je commence par quoi? Je vais déjà vous présenter les éléments du pedalboard. Donc, on a une Strymon Volente. Voilà. Joli petit... Tiens, je vais te montrer là. Je sais pas si ça... Ouais, voilà, tiens. Voilà. Une SD9 Maxon. L'inévitable Polytune. Un HX Stomp Line 6. Je sais pas si on voit bien là. Ouais, on voit bien. Une pédale Mission. Qui, comme son nom l'indique, est une pédale qui va servir en expression. Hein. Il met une petite étiquette là. Donc c'est parfait. Une pédale. C'est une Dunlop. Qui fait volume et expression. Elle fait les deux, celle-ci. Elle a deux positions, en fait. Voilà. Un Mastermind PBC 6X RJM. Music Technology. Donc ça, c'est le looper switcher. Hein. Tout le monde dit looper, mais j'ai du mal à dire looper, parce que pour moi, un looper, c'est un looper, quoi. C'est ce qui fait les boucles de sample ou n'importe quoi, enfin de l'instrument qu'on est en train de jouer. Moi j'appelle ça plutôt un switcher, mais bon, je sais que dans le langage courant, c'est passé en tant que looper. Un petit switch qui va avec le Mastermind pour avoir un tap tempo et un switch à dédier à n'importe quoi. Donc qui va aller ici. Une alimentation TrueTone One Spot Pro. Je reparlerai de cette alimentation. Je vais faire un petit truc à part sur les alimentations de pedalboard, entre autres. Une alimentation qui a tout ce qu'il faut. Hein. Je l'ai ouverte là justement pour faire une vidéo dessus. Donc voilà. Une OD Norland. ODRC. Donc voilà. J'oublie quelque chose? Non, bah, je crois que j'oublie rien. Donc c'est un pedalboard assez basique, hein, finalement. Puisqu'il y a... Il y a une disto, il y a une OD, il y a un multi-effet. Une Strymount Volent. Un accordeur. Et puis j'oublie rien, c'est tout, hein, la lime évidemment. Non, j'oublie rien. Hein. non, c'est bon. Et il y aura aussi un boîtier qui sera ici et que j'utiliserai comme boîtier de sortie. Alors je vais vous montrer le schéma de câblage. Donc ici, Camille m'a fait toute l'implémentation, hein, du... Alors bon, ouais,
chaque boucle, en fait, dans la boucle 1, c'est le guitar in. Alors ça, faut regarder le mastermind, comment il fonctionne, mais la boucle 1, c'est toujours le in guitar. Il a mis en deux le polytune, mais ça, on va le changer. La Maxon loop 1, le Nordland loop 2, external pedal out. Alors c'est là où ça se complique un petit peu, hein, pas extraordinairement. J'ai une sortie qui est ici. Je vais sortir une boucle, la boucle 3 du PVC, parce qu'il faut que Camille ait la possibilité de rajouter une pédale externe. Donc je vais mettre une sortie. Alors toutes les sorties dont je parle là, sortie et entrée d'ailleurs, ce sera sur ce boîtier là, qui sera fixé avec une équerre comme ceci. Elle est sale, hein. c'est de la récup, mais de la belle récup, hein. C'est une belle équerre en aluminium. En fait, c'est un flanc de pour raquer du matériel. Alors, ça va aller comme ça, ici. Donc, ce sera attaché solidement, parce que comme il va plugger des trucs dessus, ça, c'est une équerre très costaud. Ça va, je vais la jouer au milieu pour faire plus joli avec ma fraiseuse. Ça fera un peu plus joli. Puis évidemment, le boîtier Hammond, là, il sera peint. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Alors, j'ai pas beaucoup de place, mais j'en ai suffisamment. Donc, je vous disais, là, ici, sur ce boîtier de sortie, je vais avoir une sortie, la sortie d'une loop complète, send return, pour pouvoir brancher une pédale externe. Je vais avoir le guitar in qui va rentrer directement à droite, histoire de ne pas avoir le polytune. On a dit qu'il allait ici. Hop. Voilà, donc brancher, on peut brancher la guitare directement dessus. Le problème, c'est qu'on va avoir un câble qui va se balader là-dessus. Et ça va être très gênant pour manipuler tout ce qu'il y a à manipuler. Donc l'entrée guitare va être là et on attaquera le polytune direct ici. Et on ira attaquer l'entrée 1 de la guitare. Donc sortie pédale d'expression, une entrée guitare. Ensuite, une petite astuce. C'est... Je vous montre ici la pédale mission qui sera à côté. Alors ça va être, alors au choix, soit celle-ci fait volume expression puisqu'elle a deux sorties, hein, de ces deux potentiomètres différents. Ok, c'est bien. Mais évidemment, vous voyez tout de suite le problème, avoir la même pédale qui fait volume et expression, c'est pas terrible. Donc à côté, on a la possibilité de rajouter la mission qui va se connecter ici aussi. Donc tout ce qui en fait va se connecter est mis à droite pour pas gêner. Et tout ce qui sort va sortir à gauche, sur le fond. Et cette pédale, quand on la branchera, elle coupera le circuit expression. Et cette pédale ne deviendra plus qu'une pédale de volume, et celle-ci sera une pédale d'expression. Quand je débrancherai cette pédale d'expression, elle reprendra son utilité première, expression et volume en même temps. Voilà. Donc en fait, là, j'ai une coupure, un jack à coupure à installer pour couper l'expression quand celle-ci sera branchée. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le petit switch tap. Je vais être obligé de le sortir, je ne sais pas si vous voyez, de le mettre sur un support comme ça, pour qu'il sorte, pour qu'il ne soit pas au fond et qu'on ait du mal à taper dessus. Alors pour ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je suis en train de faire cette petite pièce.
J'avais de la cajou qui traînait, des chutes de, qu'un luthier m'a donné, Franck Chérubin, pour ne pas le nommer. Et j'ai fait ce petit support avec deux inserts métalliques. Et ce support, je vais enlever les vis. Alors c'est le pas, c'est le pas des vis de rack. Comme ça, tout est compatible, on n'est pas emmerdé. Voilà, donc ça va aller là, ici. Et le switch sera scotché dessus avec du scotch 3M, là, le spécial qui est costaud. Je vous montre ça, tiens. Voilà, c'est du scratch 3M qui est vraiment hyper costaud. Et quand on le scratch ensemble comme ça, ça fait un clac. Ouais, vous connaissez sûrement ce machin si vous avez des pédalboards, voilà. Et c'est super costaud pour le. Ben on peut l'enlever facilement quand même. Donc ça ici, ce sera comme ça. Ça va être propre. Alors, je suis en train de finir de le vernir. Je vais vous montrer ce qu'il a pris comme support pour faire son pédalier. Donc ça, c'est une base, on va dire, de la marque. C'est Créatif qui fait ça. Je ne sais plus où c'est marqué. C'est marqué ici. Création. Et ensuite, un étage... qui s'appelle de la marque Goodwood Lift. Ok. Alors c'est très bien. J'ai rien à redire hein, contre ça, sauf que c'est très mal foutu. Bon, déjà, ça colle pas vraiment avec. En fait, on voit que c'est de deux marques différentes parce qu'il va aller là et là, ben, on bloque la poignée. D'ailleurs, la poignée, ici, de ce côté-là, va être bloquée aussi par la pédale. Donc, pour le prendre, il faudra mettre un doigt comme ça et puis prendre sur le bout des doigts de l'autre côté. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Mais alors, une chose qui ne va pas du tout avec ça. Regardez. C'est bien gentil, mais là, je ne vais pas avoir beaucoup de place en bas. Hein. Donc, il faut que je mette tout vraiment au millipoil. Je vous montre ce qui va... En dessous, j'ai mis la lime où je ne vois plus la lime. J'ai quand même deux gros trucs à mettre en dessous. La lime plus la SD9. Avec la SD9 au-dessus de la lime, ça ne me plaît pas, mais il n'y a pas le choix. C'est obligatoire. J'ai pas de place nulle part pour la lime. Donc, elle va forcément aller là. Il va falloir voir s'il n'y a pas de problème de bruit. J'ai pas testé encore. Mais vous voyez le problème, là ? Leur espèce de grande vis avec des papillons en plus. Alors oui, c'est pratique le papillon, il n'y a pas besoin de clé. Voilà, enfin, sauf que vous avez vu la taille que ça prend. Donc je ne peux pas coller mon matériel contre. Et je ne vais pas avoir de place pour mettre les jacks ici. Donc en fait, l'opération, c'est de virer... C'est toutes ces vis là et de mettre un boulon et on va se retrouver donc avec quelque chose qui prend beaucoup moins de place et qui en plus est esthétique et je vais pouvoir récupérer la place qui me manque ici pour être un peu plus à l'aise sur avec la lime, et puis oui, regardez ça, non, ça gêne, c'est monstrueux. Donc, c'est bien, hein, Goodwood Lift. Par contre, votre système de vis, là, alors on voit sur leur site, ils mettent juste deux petites pédales en dessous, bah oui, forcément, puisqu'ils ne peuvent pas faire mieux. Mais nous, on va faire mieux. Alors, on revient au schéma de câblage. Donc, le reste, hein, j'ai la HX Stomp. In-out, il y en a deux, oui, elle est stéréo, celle-ci, je crois. C'est stéréo, donc j'ai tout ce qui est stéréo, Strymon Volant aussi. Et j'aurai une sortie master, left-right, donc en stéréo, hein, c'est un pédalier stéréo. Donc je crois qu'on a fait le tour. Alors le midi,
Le midi va être assez simple. Hop là. Le midi va être assez simple. C'est lui le maître du midi. On a une midi à out ici, mais il y a une petite astuce avec ce switcher. En fait, suivant le câblage qu'on fait, on peut avoir le out et le in en même temps. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un cordon qui fera in-out, qui se divisera en deux, en Y. On viendra se connecter sur le in-out du HX-Tomp et sur le in-out de la Volente. Volente. Voilà. Il y a les tensions, c'est du 9 volts partout. C'est du 9 volts partout, il m'a tout noté, c'est super bien préparé. Le midi, donc le midi on a vu, il y a 3 et les notes, dual switch for PBC, volume expression pédale, to BBC cut switch, ouais voilà, c'est ça que je vais faire, donc je vais faire un switch qui désengagera cette pédale en expression et pas en volume, et qui permettra de brancher celle-ci en expression uniquement, et quand on enlèvera le jack, celle-ci passera expression volume. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah après il y a tout l'accastillage, alors il y a les jacks plats, je sais pas quelle marque c'est, il m'a dit que c'était un de ses copains qui lui avait fourni, mais je ne sais plus. Je ne sais pas qui. Là, du jack plat mono, stéréo. Il y a un peu de long mono, mais de toute façon, je vais surtout utiliser les plats. Hein. Il y a de l'accastillage, hein, de la visserie. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Donc, moi, je vais utiliser des vis de rack, hein, c'est tout simplement des vis de rack et des boulons borgnes, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous voyez, j'ai acheté ça chez, je sais plus, Leroy Merlin ou Casto, je sais plus. Cap nuts, écrou borgne. Voilà, ce sera quand même vachement mieux que ça qui grippe partout, ça fait chier quoi. Hein, je pense qu'on peut le dire. Voilà, donc je vais attaquer ça, puis je vais vous montrer les étapes de fabrication petit à petit. Alors je vais passer vite fait sur la mécanique, parce que ça n'a pas un grand intérêt. Je vous montre juste rapidement les étapes. Le fraisage de l'équerre, par exemple, qui... Alors le trou que je fais là n'est pas seulement esthétique, mais j'ai décidé de passer aussi les câbles de la pédale d'expression par ce trou. Comme ça, j'aurai un accès plus direct à la boîte de sortie. Le perçage et le taraudage des diverses fixations, équerres, plateaux, etc. Le perçage des jacks, des trous pour les jacks. Alors évidemment, j'ai bien pris mes dimensions avant dans la boîte qui est toute petite. Donc j'ai bien fait attention au passage des câbles à l'intérieur de la boîte pour positionner les jacks pour que tout soit correct et ne se marche pas les uns sur les autres, parce qu'on a vite fait de faire un perçage et puis de se rendre compte que on a merdé parce que les câbles passent pas, parce qu'il n'y a plus assez de place, etc. Donc avant de percer, toujours beaucoup beaucoup réfléchir. C'est, croyez-moi, j'ai payé pour le savoir. La mise en peinture avec un beau Pelan Blue qui me restait d'une bombe que j'ai utilisée pour peindre le corps d'une Stratocaster Fender.
Donc j'ai utilisé le reste de bombe. C'est une très belle couleur, j'aime beaucoup. Très à la mode en ce moment. L'équerre, je l'ai peinte en noir mat avec une peinture qui se passe au four. Enfin, qui se durcit au four plutôt. Donc ça donne une peinture très résistante. Ça c'est pareil, c'est un reste de bombe que j'avais de bombe pour pot d'échappement. Mais ça donne un noir assez profond. Et puis bon, bah, le câble, là, vous pouvez voir que bah, y a pas beaucoup de place hein, dans cette boîte là. Je me suis bien bagarré pour tout faire rentrer dedans. Les jacks que j'ai utilisés sont des Lumberg. Je vous mettrai la référence un peu plus tard quand je vais aborder le câblage proprement dit du pédalier. J'ai les jacks que vous voyez là sont des jacks que j'avais pour réparer un Korg, un synthé. Et finalement, je les ai changés pour mettre des Lundberg parce qu'ils n'étaient pas assez costauds pour une utilisation, pour cette utilisation-là. Je les avais utilisés parce que, comme j'ai pas beaucoup de place dans le boîtier, bah, ils sont très fins, donc ça me laissait de la place, mais finalement, c'est avéré qu'ils n'étaient pas assez costauds. Les Lundberg sont indestructibles. Si vous cherchez de très bons jacks femelles châssis, c'est ce genre de modèle qu'il faut prendre. Évitez surtout tout ce qui est vendu sur Amazon, etc. Chinois, ça tient pas le pavé. On continue le pedalboard de Kamel Rustam. J'ai fini toute la mécanique. Donc le boîtier de sortie externe qui est très bien fixé, il ne bouge absolument pas. Les différents supports pour les pédales devant, là. Monter et fixer le lift Goodwood, qui n'est pas vraiment fait pour ce plateau, mais on se débrouille. Quand je dis que c'est pas vraiment fait pour le plateau, c'est que vous voyez, regardez, les poignées sont là. Et bon, bah, je suis obligé de mettre la pédale le plus près possible parce que je vais être obligé de faire passer les câbles au milieu comme ça. Et bon, il n'y a pas beaucoup de place. Là, vraiment, je me bats pour les millimètres carrés, hein, quasiment. Ça va le faire. Ça va le faire. Mais ça vient pour que ce soit beau, joli, tout. Mais maintenant, il faut passer au câblage. Alors, le câblage, c'est quoi ? Pour moi, ça a toujours été l'art d'organiser les câbles esthétiquement et fonctionnellement. Donc, y passer des heures pour finalement, en une demi-heure, tout foutre en l'air parce qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas. En gros, le câblage, c'est ça. Pour mettre au point un câblage, il faut s'y reprendre plein de fois. Il n'y a jamais un câblage propre du premier coup définitif. C'est la raison pour laquelle, et il n'y a pas que moi, hein, je veux dire, tout le monde, bon, bah, quand on commence à câbler, à part les câbleurs professionnels, mais les câbleurs professionnels ont des schémas, des plans de câblage. Quand on câble un avion, on n'y va pas comme ça. Tout est répertorié, chaque câble, on sait exactement où il passe et tout est étudié à l'avance. Là, bon, bah, nous, c'est empirique. Hein. Donc, on attaque direct, on va pas se faire un schéma de câblage super chiadé et tout, on va passer autant de temps que de câbler le truc, donc c'est pas la peine. Pour tout ce qui est câblage de... comment ? Câblage de studio, par exemple. Je parle pas des très gros studios où là, c'est de l'industrie, hein, carrément, bon, c'est des process industriels. Mais quand ça m'est déjà arrivé de câbler les home studios de musiciens, quand je dis home studio, c'est déjà assez cossu, hein, grosse console et tout, trucs comme ça, mais pas les trucs immenses. De toute façon, les gros studios, il y en a plus beaucoup, donc vous aurez peu de chance de travailler dedans. Et pour câbler ces petits trucs, bon bah, on fait des crobards sur un bout de table, qu'est-ce que tu veux, dispatching ici, machin là, qu'est-ce que tu veux sur le dispatching, alors on fait des listes de câblage. J'en ai une là, Camille,
Camille m'en a fait une et je m'y réfère tout le temps. Elle est très bien faite, en plus j'ai tout, donc c'est parfait. Peut-être je vous montrerai, je vais demander à Camille avant si ça ne dérange pas, mais voilà, donc j'ai tout, mais ça suffit. Hein. Alors après, il y a par où passent les câbles, où est-ce que je vais les, par où je vais les faire passer. C'est là où moi je trouve que la réalité dépasse largement les prévisions qu'on a pu faire. Chaque fois que j'ai fait quelque chose de trop détaillé, rentrant trop dans le détail, eh bien ça ne marche jamais parce que ah ben la prise elle est plus grosse que prévu, ah ben ceci, ah ben cela, enfin bref, tout le bazar habituel. Donc je vais pas faire un plan de câblage vraiment au millimètre. Non, je vais juste, par contre, j'ai une technique. Je commence à câbler et je mets rien au bout des câbles de l'autre côté. Et je vais faire quasiment tous les câbles préparés qui vont partir d'un endroit mais qui vont aller nulle part. Et je vais organiser petit à petit tout le, moi j'appelle ça le flux de câbles qui va passer dans des endroits bien définis, en respectant quelques règles, c'est-à-dire qu'on ne met pas les entrées à côté des sorties, bien que des fois on n'ait pas trop le choix sur un petit pédalier comme ça, à mon avis ça va se côtoyer allègrement, ça se côtoie déjà allègrement dans la boîte de jonction. Bon, les câbles sont blindés et tout, mais normalement la règle, moi je vous donne les règles générales, et puis après, bon, on les adapte, on en fait un peu ce qu'on veut. Donc je câble tout comme ça. On essaye de ne pas faire passer les entrées à côté des sorties. On essaye de ne pas mélanger l'analogique et le numérique, de bien les séparer. Ce ne sera pas possible là non plus. On essaye de mettre l'alimentation le plus loin possible de tout ce qui est analogique, surtout à faible niveau, c'est-à-dire entrée guitare, etc. Ce ne sera pas possible non plus ici. Bref, quand on a de la place, tout va bien. Quand on n'a pas beaucoup de place, il va falloir jongler. Et la meilleure manière de jongler, c'est de préparer tous les câbles et après d'y aller méthodiquement. Quand je câble un studio, un home studio, un truc comme ça, la première chose que je... Alors, je devrais parler au passé parce que je le fais plus, hein, ça, je câble plus de studio ni rien du tout. Je suis quasiment à la retraite. Hein. J'ai toujours un peu de mal à me détacher de ce que je faisais avant. Enfin, pour moi, c'est toujours présent, si vous voulez. Donc, quand je montais un studio, la première chose que je faisais, c'est que je montais l'écoute. Pourquoi ? Parce que j'avais envie d'écouter de la musique pendant que je bossais sur tout le reste. Mais de toute façon, ça avait un intérêt aussi, c'est que à chaque étape du câblage, on va écouter, on va tester. Il est hors de question de tout câbler et d'allumer et de se dire « Ah bah tiens, ça marche pas, ça ronfle, ah bah j'ai des parasites là, enfin voilà. » On va y aller étape par étape. Alors étape par étape pour le pédalier, là, ça va être déjà de monter tous les câbles d'alim. Toute l'alimentation, sans alimentation, rien ne marche. Hein. Donc déjà, je fais l'alimentation en premier, en tout premier. Une fois que j'ai terminé l'alimentation, je vais attaquer l'entrée guitare, le passage par le polytune, qui est le chemin, qui sera le chemin fixe, inamovible, de ce pédalier, l'entrée dans le mastermind et la sortie. Et là, je vais m'arrêter. Je vais déjà regarder si ça fonctionne, si j'ai du son, si j'ai pas de ronf, si j'ai pas de parasites, si j'ai pas, etc., etc. Une fois que je vais avoir validé, si vous voulez, le squelette, parce que là, c'est le squelette, le son qui rentre et qui ressort sans avoir été traité, c'est le truc de base. C'est la base.
Une fois que j'aurai terminé ça, je vais câbler chaque boucle une par une et les rajouter dans le processus et tester à chaque fois. Pour voir si, par exemple, j'ai un gros doute, mettre la SD9 sur l'alimentation. L'alimentation a intérêt à ne pas rayonner de trop. Ou la SD9 a été intérêt à être bien blindée. Alors, il n'y a pas de règle là-dedans. Hein. Normalement, une SD9, je ne la mettrais pas à côté de la lime. Parce que bah, c'est quand même une OD, c'est comme la Norland. Hein, la Norland, c'est quand même des facteurs d'amplification qui sont énormes pour avoir de la distorsion et tout. Le moindre bruit à l'entrée, ça se retrouve à la sortie multiplié par 15 000. Donc, prenez pas les 15 000 pour argent comptant, hein, j'invente. Donc, mettre la lime à côté de systèmes, si vous voulez, extrêmement sensibles et avec des forts taux d'amplification, c'est courir après les problèmes. Mais on va voir, il n'y en aura peut-être pas, je sais pas, peut-être mal fonctionner. Tout. Le problème, quand on câble en analogique, hein, je ne parle pas en numérique, en analogique, quand on câble comme ça, les rayonnements des divers appareils, la qualité du câble, les capacités parasites, les self-parasites, les résistances parasites qui évoluent hein, dans cet univers impitoyable. Tout ça, on ne peut pas le modéliser. On ne peut pas le prévoir à l'avance. C'est la surprise, c'est un peu la pochette surprise. Et on respecte des règles quand même, hein. Bien blinder les câbles, pas faire de boucle de masse, etc. Enfin, il y a plein de règles à respecter. Hein. Bon, ça, ce sont des règles, un peu, je dirais, un peu de base. Mais on ne sait pas si la lime va... Le Line 6 HX Stomp, là, il peut très bien rayonner comme un... C'est un truc numérique, à côté de l'analogique, il peut très bien rayonner comme un manal et il peut très bien avoir des bruits parasites. Et là, à ce moment-là, je vais faire comment ? Eh ben, il va falloir faire, hein, de toute façon. C'est pour ça que je fais un câblage, au départ, progressif, assez minimaliste, où les câbles ne sont pas vraiment organisés comme ils vont l'être à la fin, mais quand même, ils vont passer, si tu voulais, ils vont passer par le même chemin. Parce que si je change de chemin, je peux ramener des ronfles, des parasites. Mais je ne vais pas les mettre tout de suite en taureau, etc., pour faire tout propre dès le début. Non, non, je laisse tout ça libre. Et puis, je vais travailler par étapes. Surtout, ce qui est vraiment important, c'est le travail par étapes. C'est comme quand on monte un studio. On commence étape par étape. Je sais pas, on va... Par exemple, moi, la première chose que je fais, bon, comme je vous l'ai dit, je câble l'écoute. Et après, bah, évidemment, on attaque la console. Hein. On a les alimentations électriques. Alors moi, je m'intéresse pas trop aux alimentations électriques. Je suis pas électricien, donc... moi, l'alimentation électrique, c'est pas mon boulot. Mais il y a l'alimentation électrique qui est importante. L'idéal dans un home studio, c'est d'utiliser du câble électrique blindé. Le câble de 220, reprise, tout blindé, tout blindé. Ça coûte une blinde, hein. C'est le cas de le dire. Donc oui, voilà, et puis après, monter petit à petit en puissance, mais petit à petit. Jamais câbler le truc entièrement, puis allumer, puis se dire « Oh, la belle bleue, oh, la belle rouge ». Ça marche jamais comme ça. De toute façon, ça marchera jamais du premier coup, hein, un pédalier. Ça, faut le savoir, un système analogique, quel qu'il soit. Il y a toujours des petits ajustements à faire. Peut-être orienter la lime, parce qu'il va y avoir un sens où elle va rayonner moins, etc. C'est l'inconnu. C'est toujours l'inconnu. Donc j'attaque le câblage et on va faire ça ensemble. Eh bien, on s'y colle. Allez, ça y est, c'est parti. Je suis en train de me rendre compte que la vidéo est très longue. J'ai encore une demi-heure au moins de rush pour le câblage et une bonne demi-heure aussi pour les tests finaux chez Camille, dans son studio.
Donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, et puis je vais sortir dans la foulée le test chez Camille, et puis je sortirai après les vidéos sur le câblage, comment on câble les prises, quel câble j'ai choisi, quelle marque de prise j'ai choisi aussi. Donc là, je vous montre un peu en photo le résultat final. J'ai eu des problèmes. J'ai eu assez peu de problèmes en fait. Il y a donc j'en ai déjà parlé, le HX Stomp qui génère beaucoup de bruit si on le met sur la même alimentation que les autres pédales. D'où l'intérêt d'avoir une alimentation régulée sortie par sortie, avec un régulateur par sortie. Donc j'ai mis le HX Stomp sur une alimentation séparée. Et donc plus de problème de bruit. La boîte de direct, j'ai eu du mal à la refermer, hein, tellement il y a de monde dedans. D'ailleurs, en la refermant la première fois, il y avait eu un petit court-circuit qui s'est passé. Ça coupait le son sur une voie gauche ou droite, je ne sais plus. On a eu un problème aussi avec la Dunlop. Ça, c'est, on n'y a pas pensé, mais le volume sur la Dunlop fait 250 kΩ et l'expression fait 10 kΩ, ce qui est assez classique. Sauf que pour le Mastermind, il faut une pédale qui soit 10 kΩ, 10 kΩ. 250 kΩ, c'est quand on branche une guitare directe pour avoir le volume direct. Ça, on n'y a pas pensé. Donc Camille a changé, il a acheté une petite bosse métallique vachement bien. Vous la verrez sur Camille donne la référence aussi sur les tests studio. Et du coup, comme elle est plus petite, comme on avait de la place, Camille a rajouté un flanger mower, un tout petit flanger qui sonne super bien. Vous verrez ça sur la vidéo qui suit. Petit problème de câblage, j'en ai quasiment pas eu. Un câble MIDI que j'avais mal, pas que j'avais mal soudé, c'est qu'en fait, ce sont les prises MIDI coudées et en coudant le câble a souffert un petit peu. J'ai dû trop tirer sur le câble et il s'est cassé à un endroit. Voilà, bon, c'est tout. Les jacks plastiques que j'ai changé, les jacks que j'avais achetés pour réparer un synthé Korg, j'ai mis les Lundberg. Alors comme les Lundberg sont beaucoup plus gros, j'ai eu du mal à refermer la boîte, mais j'ai réussi à tout faire passer dedans, donc impeccable. Le son en général, il n'y a pas une ronfle, il n'y a rien du tout, c'est vraiment propre, il n'y a pas de souffle, il n'y a rien, c'est vraiment parfait. Donc au niveau du bruit général, je suis très content parce que c'est le silence absolu. Un petit mot sur le MIDI, peut-être, j'en ai pas parlé. Le Mastermind gère le MIDI en in et en out. Je vous montrerai comment on câble une prise MIDI in-out sur le Mastermind avec la même prise. Pour des raisons de place, hein, ils n'ont pas séparé le in et le out. Donc il y a une petite astuce de câblage. Autre astuce de câblage, mais ça je vous expliquerai ça dans la vidéo sur le câblage. Il ne faut surtout pas câbler les masses entre la machine maître MIDI et les esclaves qui sont en l'occurrence le HX Stomp et la Strymon. On câble la masse toujours d'un côté, jamais de l'autre, parce que sinon on risque de créer des boucles de masse. Je peux aussi vous expliquer le fonctionnement du tap tempo. Le Mastermind gère l'horloge MIDI, c'est le master hein, en horloge MIDI. L'horloge MIDI après est distribuée sur la HX Stomp et la Strymon, et c'est la même horloge donc pour toutes les machines qui vont être derrière. En fait, on pourrait aussi brancher bien d'autres choses. C'est branché en Daisy Chain, hein, là, donc par les prises sous MIDI.
Et le Tap Tempo, lui, rentre dans le mastermind, et c'est le mastermind qui gère le bouton de Tap Tempo et qui envoie l'horloge MIDI synchronisée au pédale MIDI, au système MIDI qu'il y a derrière. On pourrait même brancher un synthé ou n'importe quoi, on pourrait faire ce qu'on veut. Voilà, donc, bon, écoutez, si de toute façon, si j'ai oublié des choses, je vous rajouterai ça dans les vidéos à venir. Donc, partie 2, le test final chez Camille, et puis une troisième partie sur le câblage à suivre. Eh bien, écoutez, à bientôt. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.